Salut à tous, j'avais le goût de faire une vidéo aujourd'hui sur la question du respect. Parce que plus particulièrement en relation avec ce qui est véhiculé dans l'instruction du supramental, des anciens comme des nouveaux instructeurs, puis des personnes qui pataugent dans le courant. Puis le respect est souvent vu comme une marque, on le considère hein, souvent, le respect c'est comme l'amour, puis l'amour c'est comme le respect, ou en tout cas, bref, le respect est une marque d'amour, en tout cas, de l'intelligence, etc., etc. Puis je trouve que la forme respect, pour moi, dénote une imposture. En tout cas, elle n'est pas ajustée, ce n'est pas apporté dans sa définition la plus totale, c'est-à-dire que on n'a pas décortiqué ce que c'est le respect quand on en parle. Puis on prend ça, le respect, pour acquis. Puis ici, dans la vidéo, j'aimerais faire la comparaison entre le respect et l'attention. L'attention, ouais. Parce que pour moi, c'est des choses qui se ressemblent, mais que c'est pas tout à fait exact. Puis en fait, je vais commencer par expliquer le respect. En général, le respect, finalement, c'est la posture d'un individu face à un autre en mesure de, comment dire? C'est une posture face à l'autre dans la mesure où ce que cela permet, si on veut, un rapport d'harmonie. Mettons. Disons que c'est à peu près ça. Le respect va être une considération à l'autre en vue. En fait, est une posture en vue de considérer l'autre pour plusieurs raisons, soit pour ce qu'il est, soit pour ce qu'il partage, soit pour ne pas le blesser. Il y a plusieurs raisons du respect. Mais je trouve que le respect est une injonction relative à un devoir. Puis je vais m'expliquer, c'est-à-dire que le respect devient comme ouais, une marque de devoir, un comportement spécifique, comme une posture morale finalement, hein, parce que le respect finalement, il y a une certaine posture morale au travers de ça, qui amène l'individu dans l'optique véritablement de respecter l'autre, de moduler finalement la finalité de sa relation avec. Mais la question du respect, c'est que je pourrais dire qu'il y a du bon respect puis il y a du mauvais respect. Puis là, je vais faire la nuance parce que c'est important de comprendre la nuance entre les deux. Évidemment, bon, ça semble évident, mais je vais considérer le mauvais respect, par exemple, comme justement le devoir de. Comme, ben, en fait, ouais, le devoir de. Qui passe au travers le respect au personnage de l'autre, à son ego, à ses idées, mais qui implique une imposture dans la relation, c'est-à-dire que la personne s'empêche d'être honnête face à l'autre. Donc elle joue stratégiquement dans une forme d'hypocrisie ou dans une omission, omission comme omettre, omission d'honnêteté, pour préserver finalement si on veut, l'harmonie. Mais ça, on appelle souvent ça le respect aussi, là.
il y a une certaine contenance pour éviter de choquer, qu'on appelle le respect aussi, là. Or, c'est quoi qu'on respecte? On respecte le principe du code moral du respect. C'est-à-dire qu'on est. La transparence n'est pas de mise. Puis en réalité, finalement, on manque quasiment de respect à l'autre pour le respecter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que dans l'optique de le respecter, on n'est pas honnête envers lui. Comment peux-tu être respecté ou faire respecter l'autre si t'es pas honnête envers lui? Puis ça, moi, je considère que c'est du mauvais respect. Dans la mesure où le respect est dénaturé de comment dire de sa vertu. La politesse, si on veut, c'est encore plus loin, là, mais c'est une forme d'imposture pour se conformer à un code civique ou ben, un code peu importe civil. Ou bref. Pour bien paraître, pour être en adéquation avec le code et non avec le réel de l'authenticité vécue intérieurement. Si le respect de l'autre t'apporte à ne pas te respecter toi-même, le respect n'est pas total. Si tu es obligé d'être hypocrite pour protéger l'autre, parce que finalement, dans l'idée que tu as à protéger l'autre, tu supposes qu'il n'y a pas, il y a pas les moyens de prendre le choc. Ça génère des relations de non-dit. Puis moi, je vois pas de respect là-dedans. Je ne vois pas la marque du respect là-dedans, excusez-moi, là. On est dans une société d'hypocrisie. De respect, de superficialité. Fait que quand on me dit dans la science du supramental que le respect est une marque d'amour, moi, je ne raisonne pas avec ce mot-là. Je ne raisonne pas avec le mot respect parce qu'il englobe la part populaire hypocrite, mensongère, factice, usurpatrice du mot respect. Puis, si on veut, si on ramène le respect vraiment par-delà le code, l'injonction, le devoir, ben, ça me ramène à parler de l'attention. L'attention, non pas comme devoir, mais comme acte de volonté qui relève de l'authenticité de l'être. L'attention, l'être attentionné, puisque l'être attentionné, c'est l'être qui applique l'attention. Ne s'évertue pas à correspondre à un code moral parce que des injonctions arbitraires extérieures. Et par ce fait-là, il n'est pas dans le respect à l'autre. Il n'est pas, comment dire, assujetti au devoir de respecter. Mais c'est dans la naturalité de sa spontanéité expressive, qu'il va appliquer l'attention non pas en vertu qu'il veut correspondre à un respect, mais simplement en vertu de ce qu'il est lui. Puis c'est là que je préfère le mot attentionné
que le mot respect. Parce que l'attention suppose un regard, un soin. Un discernement, une qualité intelligente qui permet justement de, par nécessité, hein, de générer, si on veut, ben une franchise. Une franchise de l'être. Puis, dans l'attention, la parole sera ajustée. La parole sera ajustée, mais elle n'omettra pas au bénéfice de protéger l'ego fragile de l'autre de dire les choses qui sont dures à recevoir. Parce que dans le désir de protéger l'autre pour ne pas le blesser, il n'y a pas de respect. Il y a du simulacre. Il y a un manque d'attention. Il peut y avoir quand même de l'observation parce qu'on se dit, bon, ben, on va blesser, tatati, tatata, puis bon, OK. Mais il n'y a pas de respect. Il n'y a pas le respect véritable. Le respect véritable n'est pas, comment dire, une injonction. C'est la conclusion d'une situation. Le respect n'est pas le motif, il en est l'effet. L'attention est la cause. Et en cela, je préfère, au niveau de ma parole, considérer que l'attention a plus, comment dire, d'importance que le respect lui-même. Parce que justement, si on met le respect sur un piédestal, le respect va devenir le motif. Et donc, ça va devenir un devoir. Et donc, ça va devenir une injonction. Et donc, par ce fait-là, on va se conformer à un ordre spécifique. Évidemment, le respect, il y a plusieurs, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types de respect. T'sais, par exemple, mettons, respecter un contrat. Par exemple, mettons, ah oui, c'est ça, ouais. Par exemple, bon, tu te fais engager dans une entreprise, puis tu as telle tâche à faire. Ben, respecter ton boss, si on veut, pour avoir ton salaire, c'est faire ta tâche. C'est respecter le contrat. Mais là, il y a une communication, là. C'est un respect, mais de contractualité. C'est une fidélité. Tu es fidèle au contrat auquel t'as donné ton accord, ta promesse de le réaliser. Mais il y a aussi, ça c'est quelque chose qui est pas souvent dit, mais on devrait avoir par exemple, un respect, mettons, je sais pas. Par exemple, ça veut dire quelque chose, puis il y a quelqu'un qui va se sentir pas respecté. Mais la personne n'a jamais averti l'autre avant que ça pouvait l'atteindre. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu manque de respect. C'est parce qu'il y a eu manque de communication qu'a posteriori, l'individu qui se sent blessé va associer ça à un manque de respect. Mais comment peux-tu y avoir du respect, s'il n'y a pas eu la communication avant pour préparer le motif de l'attention qui occasionne le respect.
on peut pas respecter si on sait pas avec quoi qu'on contractualise. Ah, si y a, on pourrait dire, ouais, mais il y a un sens commun au respect. OK, la politesse, il y a un sens commun aussi. Puis là, on se conforme. Donc, le respect devient le motif de nos actions et non pas les actions le motif de notre expression. Puis c'est là que moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le respect. Puis je trouve pas ça intelligent. Comparativement à l'attention, qui, elle, n'est pas dans le fond dans le but de se conformer ou de conclure par le respect, mais c'est simplement la précaution de l'attention, d'être attentif à soi, à l'autre, d'une part pour se respecter soi, mais d'une part pour respecter l'autre, en tant que ça va occasionner ça. Mais l'attention est toujours avant le respect. Le respect est toujours la finalité. C'est pas la finalité que je recherche. C'est l'être-té. La finalité est secondaire. Puis l'être est primaire. Dans le sens que s'il n'y a pas l'être, il n'y a pas la finalité. S'il n'y a pas l'attention, il n'y a pas le respect. Il va y avoir conformation comme une forme de politesse. Donc, c'est là que ma critique est vraiment qu'on fait un éloge un peu naïf. C'est pour ça que moi, j'aime ça détruire la forme, parce que je trouve qu'on est naïf, puis on va pas chercher dans les subtilités, dans les nuances, puis tout ça, puis on prend le respect comme quelque chose de fondamental, d'acquis, d'inné, de génial. Ouais, mais est-ce que moi je peux respecter tout? Est-ce que tout est respectable? Parce qu'on dit que si la plus grande marque d'amour, c'est le respect. Si mon voisin tue mon chat, ça serait la plus grande marque d'amour, le respect. Hein? Ben, je le respecte. Il a le droit de tuer mes chats. Or, dans cette posture de soumission naïve, débile, excusez, là, ça serait de faire preuve d'attention, puis de capacité d'une part à se respecter soi-même, puis de dire ce que l'on ressent à l'autre. Parce qu'on ne peut pas tout respecter. On ne peut pas tout respecter. On peut voir des choses. On peut les accepter sans adhésion. On peut accepter dans la mesure où ce que on le sait que ça fait partie du réel. Mais on n'est pas nécessairement d'accord. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement respectable, subjectivement. Donc, le respect est relatif. C'est un peu comme les goûts. Les goûts sont relatifs. Ben, le respect, ça mène à des jugements de valeur. Il y a ce qui est respectable et ce qui est irrespectable en fonction de nos propres valeurs. Fait que non, on ne me doit pas le respect. On ne me doit pas le respect. Et je ne vous dois pas le respect. Par contre, je me dois. Ben, je me dois. C'est pas que je me dois. Mais l'être qui a une certaine attention, par nécessité, va appliquer sa conscience dans le réel. Et non pas dans une optique d'injonction d'un code moral spécifique, arbitraire, contraignant, culpabilisant ou pas. Parce que c'est ça que ça amène finalement.
Donc, le respect pour moi n'est pas la vertu ultime. De faire l'éloge de ça dans le supramental, pour moi, je trouve ça un peu naïf. Puis, bon, après ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Puis, il n'y a pas à être d'accord avec ce que je dis. Sauf que je pense que c'est important d'apporter les nuances. L'attention, prime abord, le respect est une cause, est un effet. Mais l'effet ne devient pas le moteur de l'action. C'est le moteur de l'action qui engendre l'effet. Et c'est par l'attention. Tu sais, l'amour, là, bon. L'amour, ça, c'est pas. L'amour, ce n'est pas aimer. L'amour, ce n'est pas le verbe aimer dans le sens appréciatif du terme. L'amour, c'est une manifestation énergétique qui se transpose au travers, si on veut, des manifestations comportementales qui permet l'équilibre intérieur d'une part, mais qui permet, comment dire, une qualité de l'être. Au travers le soin, au travers, parce que l'attention est une expression de l'amour. Mais le soin en est une. Dans l'attention, il y a du soin. Puis dans le soin, il y a de l'attention. Puis tu sais, les expressions de l'amour, il y en a quand même pas mal. Le pardon. Il y en a plusieurs, parce que là, c'est le but du vidéo, c'est pas parler d'amour, là, parce que. Mais. Puis je dissocie l'amour du verbe aimer, qui est absolument une posture, comment dire, appréciative. Or, l'amour, ce n'est pas l'appréciation. L'amour, ce n'est pas un jugement de valeur. L'amour, c'est la mise en action de l'être au travers son expressivité, son rayonnement. Aimer, ce n'est pas rayonner. Quand tu aimes ta pizza, tu rayonnes pas. Tu es juste content de l'air. Tu apprécies. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'apprécies. Dépendamment du degré d'intimité que tu as avec, ça ne veut pas dire que c'est du faux amour, hein, c'est pas ça. Parce que au travers l'appréciation, l'amour peut se transmettre au travers certaines expressions. Mais le verbe aimer, dans sa reconnaissance à ce qui est aimé, hein, il y a ce qui aime et ce qui est aimé. Suppose un acte de relation, comment dire, c'est plus comme extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que l'amour, c'est plus comme c'est en l'être. Quand on intègre le principe d'amour, c'est pas genre dans comment que je vais dire je t'aime là. Quand on intègre le principe de l'amour, ou l'amour, peu importe, là, comment qu'on appelle ça, l'énergie, ben ça se manifeste au travers nos expressions. Donc, le respect n'est pas une marque de l'amour. L'attention est une expression manifestée de l'amour au travers l'être et son intelligence, sa volonté. Le respect dans sa finalité et dans sa qualité est la résultante de la qualité de l'attention et donc nécessairement de l'intelligence, de l'amour, de la volonté de l'être.
Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.